Voilà, bienvenue ici à la forêt sacrée de Wewere. La forêt sacrée de Wewere est située dans la commune de Bembereke. Et elle est à 200 mètres du goudron côté ouest. Et cette forêt sacrée fait partie des premiers champs de combat du héros national Biogera dans la commune de Bembereke. Dans la gestion de la forêt sacrée de Wewere, pour nous, la femme joue un rôle tellement capital. Et puis on se dit il faudrait qu'on trouve aussi une place à la femme pour qu'elle arrive à se sentir à l'aise, pour qu'elle arrive à se sentir concernée aussi de la gestion du site. Pour cette raison qu'on a dédié cet espace au maraîchage, et purement c'est les femmes qui sont là. Ce qu'on trouve ici au niveau de l'espace du maraîchage, nous avons les produits de contre-saison. Parce qu'on a constaté que dans la zone de Bembereke, en période de sécheresse, ces produits manquent. Et tout ce qui est lié au gombo, de façon générale, aux légumes, on trouve tout ça au niveau du site de maraîchage. Tout ce qu'on peut avoir au niveau du maraîchage, et tout ça est là. La forêt sacrée de Wewere est une forêt qui a une source intarissable. Et l'eau qui est là, c'est de l'eau douce. Ça sort des roches. Et parmi les activités génératrices de revenus, nous avons aussi pensé à ce qu'on réalise des étangs piscicoles pour l'activité de la pisciculture. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons des élèves et étudiants qui sont appelés pour qu'on puisse mener ensemble cette activité. L'espèce que nous élevons au niveau du site, c'est les poissons-chats, les clarias, pour que au moins ces jeunes puissent trouver quelque chose. Parce que quand ils finissent souvent les études, ils reviennent, ils sont là, ils traînent dans la ville, dans la localité, ils ne font rien. Et on s'est dit qu'il faudrait qu'on puisse aussi réfléchir à comment orienter ces élèves à mener cette activité. Et aussi l'idée qui se cache, c'est que quand le centre multifonctionnel sera installé, et les visiteurs auront des besoins pour ce volet-là. Ceux qui veulent du pépé soupe peuvent aussi choisir volontairement la tête de poisson qu'ils veulent. Dans
Maniro Watarakazi Dayi Ame Welum Beru Maru Kujeji Iyanga Gama Nagishuru Wagupai Mara Jenyora Duiguru. C'est l'espace dédié pour la lessive et aussi l'espace dédié pour sécher les tenues. Et entre-temps, les femmes allaient jusqu'au niveau de la source pour faire la lessive. Et quand elles font la lessive, l'eau d'impureté qui est versée et coule, parfois ça va au niveau de la source. Et par la suite, nous avons pensé délocaliser ces femmes. Et c'est le lieu qu'on a choisi pour qu'elles arrivent à faire la lessive. Et en moyenne, nous avons au moins 40 ou 80 femmes qui viennent par jour pour faire la lessive quand nous sommes dans les jours ouvrables. Mais quand nous sommes dans la période des week-ends, congés et vacances, c'est des centaines de personnes qui viennent parce que ici, l'originalité de l'eau, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de savon. Et quand on met un peu de savon, c'est que ça prend rapidement. Et beaucoup de gens viennent ici faire la lessive à cause de cette spécificité. Donc aujourd'hui, les femmes sont fières parce qu'elles sont maintenant dans un cadre attrayant. Chacun se sent concerné aujourd'hui par la propriété de ce site. Ce grand bassin de rétention d'eau a été réalisé en 1952. Pour rappel, nous sommes dans la forêt classée de Wenubenu. Wenubenu qui est une transformation de Wumbweru. Et ça veut dire qu'il y avait des gorilles qui étaient là au niveau de ce site. Et quand les femmes venaient pour prélever de l'eau, et s'il n'y avait pas d'homme à côté, les singes les embêtaient. Parfois même ça ligotait les femmes. Donc dans le plan du modernisme, ils ont pensé à ce qu'on réalise ce grand bassin de rétention d'eau afin d'envoyer de l'eau au niveau du camp militaire et aussi en ville pour que les gens aient l'accès facile à l'eau. Et une partie de l'eau aussi va dans la maison de l'ancien roi de la ville de Bemereke. Nous sommes ici au niveau de l'espace sacré de Waweri. Et quand on parle de la forêt sacrée de Waweri, la divinité même est à ce niveau. Et l'esprit même est logé au pied de l'Iroko que nous voyons là. Et en Afrique, l'Iroko, c'est l'arbre sacré. L'Iroko, souvent, c'est l'arbre qui aime abriter les esprits. Et
quand on veut aller au niveau même de l'histoire du héros national Bioguera, c'est ici qu'il venait recevoir les bénédictions du chef de terre d'entretemps, le Sinadunwiru d'alors. Et quand il venait recevoir les bénédictions, il quittait ce lieu pour aller maintenant au niveau du lieu où se trouvaient les Blancs, qui est la mairie de Bemereke. Et quand la guerre du héros national Bioguera est partie, est terminée du moins, et toute la population de Bemereke, s'ils ont des besoins, s'ils ont des problèmes de maternité, s'ils ont des problèmes de prospérité, c'est ici qu'ils viennent. Quand ils voient le chef de terre, ils amènent de cola avec de bélier, on fait les bénédictions et tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils demandent, ils arrivent à obtenir. Et ceux qui ont des problèmes de maternité, quand ils viennent pour les prières, et déjà en quelques temps, ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent, ils arrivent à enfanter. Et quand ils enfantent, c'est normal qu'ils portent le nom de la divinité. Et c'est pour cette raison que vous allez voir des Nyonwewere, des Wuruwewere qui sont un peu partout ici. Hein. C'est une grâce pour nous. Nous avons notre manière d'invoquer Dieu. Nous avons notre manière d'appeler l'être suprême. C'est une fierté. On est content d'être dans cette logique et on ne baissera jamais la garde. Nous allons maintenir le cap. Après l'immolation du coq ou du mouton, quand le chef culte finit d'immoler, il y a les jeunes qui attendent. Et c'est à ce niveau qu'on arrive à préparer ce qui est immolé. Et quand on finit de préparer, on prend la viande qui est là et on amène au niveau de l'autel. Et une partie est déposée pour les esprits et une autre partie est utilisée par ceux qui sont venus pour les prières et les enfants aussi qui sont là autour. Et chacun prend un peu, chacun goûte. Et une autre partie est réservée pour le chef. Après avoir fini de partager la viande, chacun trouve sa part. Et tous ceux qui ont assisté à la prière, aux cérémonies, viennent encore à ce niveau. Et le chef culte cherche de l'eau, de la source. Et c'est ici qu'on vient encore se laver. Et cela est vu comme étant une purification parce qu'on est venu avec une saleté, de saleté. Et à ce niveau, quand on finit, on se lave les mains. Et quand on finit de se laver les mains, et je rappelle aussi, le feu est là. Après avoir fini de se laver les mains, on constate que le feu n'est plus là. Et c'est considéré comme étant ce qui était chaud s'est refroidi. Et quand on finit, on passe l'eau dans le corps et ceux qui sont venus pour la prière se sont purifiés et dans la journée, ils ne vont plus se laver. C'est le lendemain maintenant qu'ils vont se laver. Et les bains publics, c'est pour permettre à nos visiteurs, à nos touristes qui vont venir, à des moments donnés, de marquer des pauses pour contempler un peu la nature, parce que quand on est là et on regarde le paysage, c'est bon à voir. On regarde les enfants, les femmes qui vont, qui reviennent. Ce banc public est disposé de telle sorte que d'ici peu, nous voulons réaliser un enclos pour qu'on arrive à mettre les espèces de la faune. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces enfants qui ne connaissent pas les caïmans. C'est vrai qu'il y a quelques échantillons qui sont là. Il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas les gorilles. Ils voient ça au niveau du numérique. Mais nous, on veut mettre ces espèces-là. Et là, d'ici, quand on est assis, on peut voir les espèces en mouvement
et tout ça, ça serait bon à voir. Et il peut même avoir des sorties pédagogiques que les enseignants vont vouloir et lancer afin de permettre à ces jeunes de venir voir ces espèces de la faune. Nous sommes au niveau de la source d'eau de Wawere et plus précisément nous sommes même au niveau même de l'œil même de la source du site de Wawere. L'eau ne tarit jamais depuis les premières heures d'existence de Bembereke. La source est là. Jusqu'à présent, la source demeure toujours. L'eau ne tarit jamais. Et en période de sécheresse, c'est vrai que le débit d'eau diminue, mais il suffit juste de venir creuser un peu et le débit d'eau va augmenter. Et la profondeur même de la source, à peine ça fait 0,50 de profondeur. Et vous allez voir, il y a un mur qui est réalisé. Le mur est réalisé pour empêcher l'eau de ruissellement et d'entrer au niveau même de la source. Parce que, en réalité, la source même, son eau est souterraine. Ce n'est pas l'eau de rigole qui entre là. On s'est dit qu'il faudrait qu'on arrive à sécuriser, à réaliser ce mur afin d'empêcher à ce que les déchets entrent là. L'idée qui est là, c'est que d'ici peu, on pense tout sécuriser et même empêcher les feuilles mortes d'entrer dedans pour que l'eau qui ira au niveau du grand bassin de rétention d'eau et que cette eau soit un peu propre. Et c'est d'ici que l'eau est canalisée et envoyée au niveau du grand bassin de rétention d'eau. Nous sommes à l'intérieur même de la forêt sacrée de Wawere. Et nul n'entre ici si ce n'est que les gardiens de ces lieux. On peut venir mais accompagner les gardiens de ce lieu. Alors nous sommes à côté d'une autre source qui est là. Et en 1952, avant que le président Hubert Maga ne prenne le pouvoir, déjà beaucoup ont déjà commencé par s'installer à côté du goudron. Et quand le président Maga a pris le pouvoir après l'indépendance, ils ont encore plus communiqué et ceux qui étaient loin du goudron sont venus du moins à s'installer à côté du goudron. Et ça faisait que la densité de la population avait déjà commencé par agir sur l'utilisation de l'eau. Et à un moment donné, quand la source n'arrivait plus à suffire la population, en commun accord avec le chef de terre qui était là, avec les chefs de district, ils ont envisagé à ce qu'ils viennent encore creuser à ce niveau pour que le besoin ne soit pas difficile. Donc ici, aujourd'hui, beaucoup ne viennent plus pour prélever de l'eau, mais les espèces sauvages du site sont là. Et présentement, ici, nous avons des caïmans qui sont là en nombre. Et nous avons aussi le bois sacré qui circule dans la zone. Et pour voir le bois sacré, il faut être en commun accord avec le chef de terre et les gardiens de ces lieux. Alors, à ce niveau aussi, nous avons l'espace réservé pour la médecine traditionnelle, puisque ici, le prélèvement est contrôlé. Donc ceux qui veulent les produits de façon locale, c'est à ce niveau
Et quand ils voient le chef de terre, c'est à ce niveau qu'on les amène pour un peu enlever ces produits pour les besoins de la santé. La forêt sacrée de Waware a une superficie de 2 hectares pour le premier plan d'aménagement. Mais aujourd'hui, ensemble avec le programme des Nations Unies pour le développement et le consortium APAC, entendu est territoire du patrimoine autochtone et communautaire du Bénin, nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir agrandir, pour pouvoir encore augmenter de superficie, parce que les actions anthropiques sont en train d'embêter nous qui sommes les gardiens de ce site. Et on se dit, comme la zone n'est pas lotie, il faut qu'on commence par prendre les distances, parce que si on commence déjà par détruire les arbres, c'est que la source d'eau serait menacée. Et carrément aujourd'hui, le processus est en train d'être enclenché et nous pensons amener ça à 10 hectares. Alors là où nous sommes présentement, nous sommes au site dédié pour installer le centre multifonctionnel et un bungalow. Et le centre multifonctionnel pour permettre aussi à nos visiteurs qui vont venir à ce niveau pour naviguer, puisque nous pensons installer une connexion internet de haut débit. Nous pensons aussi installer un bungalow, comme je le disais, et pour permettre aussi à tous ceux qui veulent certainement passer la nuit ici, pour qu'ils puissent venir passer la nuit, et aussi ceux qui veulent manger bio, puisque nous avons les produits du maraîchage qui sont là, les produits de la pisciculture qui sont là, et tous ceux-là, s'ils veulent manger, ils lancent la commande depuis là-bas et on amène tout ce qu'ils veulent ici, on prépare et ils vont manger. Bref, un restaurant, un truc du genre restaurant, pour permettre à tout ce beau monde d'être à l'aise, de respirer bio, de manger bio et de vivre dans un cadre tellement attrayant. Nous avons aussi 2 toilettes qui sont installées en amont et en aval. De l'autre côté, à l'entrée, nous avons 4 cabines qui sont réalisées afin que les riverains qui sont là, qui viennent déféquer au niveau de la nature, afin qu'ils aillent là se mettre à l'aise. Nous avons aussi derrière la montagne une latrine éco-centre qui est installée. Et là, nos visiteurs qui vont venir là, s'ils veulent se mettre à l'aise, ils iront au niveau de la latrine éco-centre pour se mettre à l'aise. Pour tout ceci, pour permettre à ce qu'on ait un cadre bon à vivre, pour qu'on ait l'environnement qui soit propre. C'est pour cette raison que ces 2 latrines ont été installées. Mon yaro wa kura mane
ni no rapai gogu rapa jingi agere aye baraka dubu jogu amojogu me unagu agere wewe debu mamara morobagezi mudona ngakuraka poto godwe bukoni waragudi Agujuro kawisho mwenye ya domate ya toto Gururuga zaraja akumada Pabete mwa mabeli njibelagu Mareye gadu mwendo bibia Yagabi merambi suwe gugashiro Shall we know it? Yeah, good to know she will give a car.